Ce mercredi 30 novembre 2022, après avoir partagé une vidéo d'elle sur Instagram, Iris Mittenaere s'est retrouvée face à un commentaire mal placé. De quoi énerver Miss France 2016, qui en a profité pour dénoncer le sexisme de certains internautes. Une icône. À quelques semaines de la prochaine élection de Miss France, une ancienne tenante du titre fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien d'Iris Mittenaere. Il y a quelques jours, elle a intrigué ses abonnés en postant une vidéo d'elle avec sa grande sœur. De quoi remarquer de fortes ressemblances. Chaque publication postée par Miss Univers 2016 peut entraîner des commentaires assez choquants. Dernier exemple en date, ce mercredi 30 novembre 2022. Conviée à une soirée organisée par Ferrero à l'occasion de ses 40 ans, l'ancienne Miss France a dévoilé sur Instagram une nouvelle publication. Sur la terrasse du Printemps Haussmann, Iris Mittenaere se filme, un verre à la main. Dans cette vidéo, Iris Mittenaere porte de longues bottes, tout en paillettes, ainsi qu'une mini-jupe noire. Alors que la majorité des commentaires sont positifs, mettant en avant la beauté et la gaieté de Miss France 2016, certaines prises de parole des internautes peuvent déranger. Alors que le commentaire initial, qui critiquait la taille de la jupe de la Miss France, a été supprimé par son auteur, les réponses d'Iris Mittenaere sont encore visibles. Une remise en place en toute subtilité, une prise de position non assumée. Le commentaire d'un certain Julien a fortement déplu et attristé Iris Mittenaere. Pardon, t'es qui ? Un mec qui me dit comment m'habiller ? Si ça peut vous éduquer un minimum, car il y a clairement un manquement là, alors je continuerai avec mes arguments. Et oui, même si j'avais envie de mettre un maillot de bain avec une veste, ce serait ok, parce que ça serait mon choix, peut-on ainsi lire sous la publication de l'ancienne reine de beauté. Un deuxième commentaire d'Iris Mittenaere accompagne le message supprimé. Alors Julien, moi je ne te traite pas d'inculte, donc tu te calmes. Et non, je ne trouve pas sa limite. Je t'invite à lire un peu plus et à t'éduquer sur le sujet de la jupe et de son évolution. Parce que en plus d'être insultant, tu es sexiste, répond ensuite Miss France 2016. Des propos qui ont visiblement agacé Iris Mittenaere puisqu'elle a partagé, ensuite, sa réaction dans une story sur Instagram. Quand je vois qu'en 2022, on est encore sur un débat sur la longueur de ma jupe dans mon dernier réel, déplore-t-elle. Ce n'est pas la première fois que des commentaires malveillants bouleversent Iris Mittenaere, mais cette dernière est bien décidée à ne pas se laisser faire.